Oui, bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver ici en Italie à Piacenza pour cette soirée exceptionnelle de Ligue des Champions avec ce premier match donc entre Piacenza et Tours. Vous le savez, les Tourangeaux ont remporté le premier match sur le score de 3-7-1. Il suffit donc au TVB de remporter au minimum 2-7 pour se qualifier pour le prochain tour de cette Ligue des Champions. Mais les Italiens de Piacenza vont essayer bien sûr de prendre leur revanche ce soir. C'est une équipe qui est actuellement en tête du championnat d'Italie. Et c'est un match qui s'annonce particulièrement difficile pour l'équipe du TVB, Olivier. Oui, bonsoir. Oui, difficile. Avantage certes pour le Tour Volleyball, fort de son succès à l'aller, 3-7-1. 7 points d'écart au tableau d'affichage. Une équipe de Piacenza qui retrouve ce soir son attaquant de pointe, le champion olympique Anderson, qui reste sur un succès probant à Trévise. Donc on va assister encore, à une grosse bataille. Il va falloir un TVB des grands soirs, mais qui semble prêt, sur ce qu'on voit depuis ce matin, à relever le défi. Nous sommes en compagnie du coach du TVB, Roberto Cerniotti. Alors par rapport au premier match, Roberto, l'équipe de Piacenza est renforcée par le retour de Anderson. Ça change beaucoup de choses. Et oui, parce que c'est un des joueurs plus important qui aide beaucoup cette équipe, soit en attaque qu'en service. Et ce soir, ils sont complets et nous chercherons de profiter de chaque moment pas terrible de cette formation qui nous avons déjà vu contre de nous et contre les matchs, dans les matchs qu'ils ont joué contre Paris, qui peuvent dans quelques moments jouer avec une puissance extraordinaire, mais dans quelques moments jouer pas très bien. Il faut profiter de ça. Merci Roberto, voilà pour les enjeux de cette rencontre qui se jouera dans cette salle toute neuve qui vient juste d'être inaugurée. Les joueurs de Piacenza d'ailleurs n'ont pas forcément tout leur repère dans cette toute nouvelle salle. Ça sera peut-être un avantage pour les Tourangeaux. En tous les cas, on espère se régaler ce soir comme la semaine passée en Touraine. Oui, effectivement Philippe, une équipe de Piacenza qui est très spectaculaire et très très offensive avec notamment ce joueur numéro 7, le Cubain Marshall, qui a été un des principaux joueurs offensifs du match aller. Puis on notera, on vous en a parlé tout à l'heure, le retour d'Anderson, le champion olympique, qui est de retour après une blessure au dos. Il a joué ce week-end, il a été tout simplement le meilleur joueur du match dans cette équipe de Piacenza. Et puis opposition de style évidemment avec l'équipe du TVB qui est réputée pour sa défense, pour son soutien, pour sa qualité de réception, Olivier. Oui, deux styles de jeu complètement différents, beaucoup de puissance d'un côté, un peu plus de volume de jeu peut-être ce soir avec la présence d'Anderson, un joueur très précieux qui ne fait pas beaucoup de fautes, très performant à l'attaque et qui soulage bien son passeur Gerbic. Et d'un côté, le TVB qu'on connaît, très compact dans le jeu, avec beaucoup de patience et aussi des atouts forts, hein, tels Nikolov et notamment Hichem Gemadi, qui avait vraiment été décisif au cours du match aller la semaine passée à Grenoble. Vous avez pu apercevoir la composition du TVB, pas de changement hein, par rapport à la semaine passée, avec toujours Hichem Gemadi donc au poste de réceptionneur attaquant. Et pour l'équipe de Piacenza, eh bien, il y a un changement majeur, c'est le retour d'Anderson, le champion olympique, le pointu de cette équipe de Piacenza. C'est parti pour cette rencontre entre Tours et Piacenza. Match retour du premier tour des playoffs de la Ligue des Champions. L'enjeu est simple pour les Tourangeaux. Gagner au minimum 2-7 ou même, ce qui serait une jolie performance, essayer de venir s'imposer ici dans cette toute nouvelle salle face au leader du championnat d'Italie. Monsieur Seignou. L'arbitre turc qui donne le coup d'envoi avec Loïc de Kergré au service. Zlatanov pour la première attaque, la défense du Bereno. Hichem Gemadi bloqué, le soutien de Sloboda. Ça joue toujours. Gerbic qui renverse pour Anderson qui est allé chercher les mains du contre. Le premier échange qui est vraiment la présentation idéale de cette confrontation. Avec déjà un premier point d'Anderson et on le voit hein, très précieux sur cette balle avec une grosse pression du bloc tourangeau. Il était chercher la main extérieure.
Regardez bien ses services. Anderson, c'est l'un des tout meilleurs serveurs au monde. Hichem Gemadi, la défense de Marshall. Gerbic pour Zlatanov. Et encore le haut des mains du bloc avec Zlatanov qui démarre très bien cette rencontre. Mais il avait été pas trop performant offensivement contre Trévise. Et là, on sent que Gerbic essaye de le faire rentrer correctement dans la partie. Il l'a déjà sollicité deux fois. Une grosse ambiance, hein, par contre, ouais. Déjà, dans cette nouvelle salle. 4000 personnes pour ce premier match inaugural pour cette équipe de Piacenza. Le premier point pour le TVB avec Vladimir Nikolov. Un premier point tout en puissance, alors qu'il y avait une grosse pression. On va voir, Zlatanov a été un peu timide. Et on a laissé beaucoup trop d'espace sur la diagonale pour un attaquant tel que Vladimir Nikolov. Gerbic avec Zlatanov, défense du Bereno. L'enchaînement avec Vlad Nikolov, il y avait du monde au filet et au bloc pour Piacenza. Oui, pour l'instant, beaucoup de présence. Hein. Déjà deuxième bloc à 3. Zlatanov Bovolenta aidé par Nikola Gerbic. Une qualité de réception et de relance pour l'instant qui fait un petit peu défaut au Tourangeau. Et un ace pour Zlatanov, hein, le premier du match. Attention à cette équipe qui peut par moment, comme le disait Roberto Salonetti, avoir une qualité de service assez exceptionnelle. Bon, on se rappelle aussi du premier set à Tours, hein, où ils avaient été très agressifs, très performants. Puis petit à petit, ils s'étaient éteints pour tomber dans des schémas de jeu un petit peu trop prudents. Ouais, c'est bien fait là, Slobodan Boskan qui passe cette attaque 4-2. Il est dans l'enjeu, hein, pour le TVB, absolument arriver à faire bouger cette réception. L'un des points faibles de l'équipe italienne, notamment avec Marshall et Zlatanov. Marshall s'impose là face à Nikolov. Grosse détente de la part du Cubain. Et Marshall en 1 contre 1 sur une balle aplatie au poste 4. Regardez ça, c'est vraiment très très impressionnant. Nikolov paraît tout petit en face. Et on peut apprécier sur les ralentis la hauteur du Cubain. Bovolenta. Service qui sort pour le central italien de cette équipe de Piacenza. Il avait commencé aussi au match aller avec des services matchés, puis était revenu sur des frappes un petit peu plus flottantes. Vlad Nikolov, le Bulgare. Ouais, un bon service. Mais bien tenu par Zlatanov. Marshall encore. Là. Et encore le bras puissant du Cubain. Nikola Gerbic qui s'appuie énormément, hein, sur ses bouts de filet. Joue, passe beaucoup moins par le centre que ne peut le faire Loïc de Kergret. On le retrouve, Nikola Gerbic, le passeur de Piacenza. Très bon serveur lui aussi. Nikolov. Ça touche. Out, elle a touché la mire. Ça touche l'antenne. Pour l'instant, gros début, hein, de Piacenza. Et un TVB pour l'instant qui subit, mais on connaît la patience de cette équipe. Gerbic pour son deuxième service consécutif. Oui, bien tenu par Hichem. Ah, et ça passe pour Fred Gibert. Cette relation au centre qui avait parfaitement fonctionné il y a une semaine, soit avec Fred Gibert, soit avec Alexandre Sloboda. Et avec une alternance en plus, ce sont secs, les Italiens démarrent toujours leur partie avec des blocs défensifs. Et Loïc de Kergret avait bien réussi à les gêner en les obligeant à prendre des options sur les fixations de Gibert et Zlobada, et après avait tourné autour de ses centraux, tantôt avec Hichem Gemadi sur des pipes, tantôt en bout de filet. Slobodan Boskan. Pour l'instant, la réception italienne tient à merveille, et c'est du 1 contre 1 quasi permanent en bout de filet, que ce soit avec Marshall ou Anderson. Premier temps mort technique de ce premier set. Le TVB est mené de 4 points, 8-4 en faveur de Piacenza qui commence idéalement cette partie. Alors on peut rappeler les enjeux comptables également de cette rencontre. On vous l'a dit, le TVB qui s'est imposé 3-7-1 lors du match aller. Donc si le TVB gagne de 7, c'est fini. Le TVB sera au deuxième tour et sera qualifié. Alors si en revanche il y a 3-7-1, eh bien il faudra prendre la différence de points. On sait que le TVB a 7 points d'avance.
par rapport au premier match olympique. Mais un écart assez réduit. Un écart réduit de 7 points.